Voilà, bonjour à tous. Une nouvelle petite vidéo là pour une petite visite sur le site de Pezet. Donc à partir de la station de Val-Landry, ici on prend le télésiège, on monte sensiblement par là au sommet du télésiège et puis on traverse sur la droite en regardant la montagne et puis là il y a ce qu'on appelle le décollage du 2003. Donc bon, décollage, on essaye de prendre de l'altitude. Ensuite, l'objectif, c'est on traverse la vallée de Pezet. On va prendre un peu de gaz pour rejoindre l'arête en face. Et puis on essaye de monter sur Croix-Bauzon, là le sommet qui est là. Et puis on avance, on avance, on monte un petit peu sur Bellecôte. On va essayer de s'appuyer sur Bellecôte pour faire ensuite une grande traversée qui va nous amener sur Roche-de-Miault. Roche-de-Miault, donc la station intermédiaire du télécabine de la Plagne, qui monte donc quasiment enfin, qui monte sur le glacier de Bellecôte qui se trouve ici. Ensuite, on va continuer cette crête ici. Donc, on aura une belle vue sur Champagny qui se trouve en dessous. Champagny ici, Bozelle ici. On continue cette longue traversée de crête. On va voir sur la droite toute la station de la Plagne. Donc Belle Plagne, M. La Plagne. Et puis quand on voit Moutier, quand on voit Moutier dans le fond de la vallée, ben là faudra penser à faire demi-tour. Et ensuite on rentre donc en suivant la vallée de Moutier, Bourg-Saint-Maurice. Lorsqu'on arrive au-dessus de Montchavin, les Coches, Montchavin ici, les Coches ici, eh bien on traverse en direction de Val-Landry. Et bon, au-dessus de Val-Landry, on essaye de garder de l'altitude. On traverse au-dessus d'Arc 1800 et on retourne au-dessus des Deux Têtes qui se trouvent par là. Et à ce moment-là, on peut prendre la direction de l'aiguille Grive en suivant donc toute cette crête-là. Et ensuite, à partir de l'aiguille Grive, eh ben, on peut aller poser ici aux Islettes. Bon, moi j'ai posé sur un terrain privé sur Pezet, parce que je suis de Pezet, mais voilà, il y a moyen ensuite d'aller poser aux Islettes tranquillos. Et ça fait donc une belle balade. Là, c'était une balade de 2 h 30. Alors, bah, prenez-en plein les yeux et à bientôt.
on était tout à l'heure. À l'heure, puis on a fait le tour là-bas derrière.